En 1952, Friedrich Dürrenmatt s'installe avec sa famille au vallon de l'Ermitage, sur les hauteurs de Neuchâtel. Il y vivra presque 40 ans jusqu'à son décès en 1990. C'est de cet endroit qu'il va créer la majeure partie de son œuvre picturale et littéraire. Ce centenaire est l'occasion de rendre accessibles des espaces de vie jusqu'à présent fermés au public et aux chercheurs. Il y a d'abord la splendide bibliothèque conçue par Dürrenmatt lui-même. Elle compte plus que 4000 ouvrages sur les thématiques qui étaient chères à Dürrenmatt, par exemple la religion ou la mythologie. On y trouve aussi des livres d'art, des catalogues d'expositions, des classiques allemands, français, italien, anglais, mais presque tout en allemand. Ça démontre bien que Dürrenmatt n'a jamais renoncé à ses origines germanophones, tout en étant ancré ici à Neuchâtel, où l'on parle français. Ensuite, il y a son bureau, situé dans la deuxième villa, voisine de celle qui abrite le centre. Ce bureau est à présent accessible au grand public lors des visites guidées. Une exposition d'objets ayant appartenu à Dürrenmatt sont exposés d'une manière permanente. Parmi ces objets, on trouve par exemple la map monde. Elle symbolise l'ouverture sur le monde de ce Suisse universel et en même temps aussi son engagement et son rayonnement sur la scène internationale. Ensuite, il y a son télescope, symbole de son ouverture sur l'univers, car Dürrenmatt aimait scruter le ciel. En même temps, c'est aussi le symbole de son ancrage à Neuchâtel. Depuis sa terrasse, il regardait avec ce télescope les matchs de foot de son club préféré, Neuchâtel Xamax. Ensuite, il y a sa table de travail avec deux piles de papier. Quand il était en manque de paroles, il s'est tourné pour continuer à dessiner. Ces deux piles démontrent aussi la complémentarité texte-image dans son œuvre. Dans le bureau, on voit accroché au mur un grand tableau intitulé « Armée du salut ». Cette œuvre réalisée par son ami l'artiste Varlin était chère à Dürrenmatt. D'autres lieux de vie de Dürrenmatt sont accessibles à présent. Dans le jardin, la piscine a été réaménagée afin d'y accueillir des performances artistiques et musicales. Quant à la chambre musicale familiale, elle sert désormais d'atelier de théâtre, de peinture et d'écriture menée en français, en allemand et en bilingue pour les élèves de différentes écoles. L'accès à ces espaces inédits permet au CDN de diversifier les activités et de valoriser encore davantage l'homme Dürrenmatt et son œuvre.